combien de temps encore je vais devoir rester ici? J'ai besoin de votre aide. J'ai envie de sentir le feu en moi. J'ai envie d'exploser. D'avoir des relations sexuelles avec un garçon qui a une voiture. C'est quoi une voiture? Arrête de broyer du noir. Regarde ça plutôt. Il cherche des auteurs. Un concours pour devenir critique de rock. Je suis Johanna Morrigan. J'ai un entretien pour l'annonce. Vous avez trouvé que mon article était bon quand même? C'est pas vraiment notre cas. Pas cool. Chérie, les types comme eux ont besoin de filles comme toi. Allez, on y va! Dieu du ciel, c'est le ravisseur d'enfants. Johanna Morrigan est morte. Face à vous, la légendaire Dolly Wilde. Hier soir encore, à 9h, le rock'n'roll, ça ne voulait rien dire pour moi. À minuit, c'était devenu la chose la plus importante au monde. Chérie, dis-moi, est-ce que t'as déjà fait une interview? Je n'ai jamais rien fait du tout, en fait. Si on va dans ces endroits-là, c'est pour pouvoir danser et hurler avec des gens qui sont comme nous, et où tout devient possible. Je vous présente Dolly Wilde, une emmerdeuse. Ouais, une vraie emmerdeuse. Le problème, c'est qu'une fois qu'on se retrouve du côté obscur de la force, on ne le voit pas du tout, le côté obscur. Laissez passer la rockstar. Donc ma question, Johanna, c'est à quel moment t'as pété un câble? On fait quoi quand on se construit et qu'on se rend compte que pour se construire, on a mal agi? On déchire tout et on recommence. Ça, on aimerait le publier dans notre prochain numéro. Je suis très touchée. Merci infiniment, madame. Et est-ce que tu joues un rôle, là, au moment où je te parle ?